Thomas Bengalter, je voudrais vous faire écouter un dernier témoignage de compositeur, et pas n'importe lequel, puisqu'il est membre de l'Académie des Beaux-Arts. Il a étudié auprès de Gérard Griset, c'est Régis Campeau. Alors j'ai réfléchi à quelle musique était la plus proche de Daft Punk dans le répertoire contemporain, et c'est certainement le concerto pour Theremin Dance Floor with Pulsing de Régis Campeau. On écoute le témoignage du compositeur qui vous pose une question. Bonjour Thomas Bengalter, c'est Régis Campeau. Vous faites comme le grand Stravinsky, se renouveler, surprendre. Alors bienvenue au Club des Allumés. J'adore votre musique, vos timbres vraiment bizarres, l'idée super claire, les pulsations obsessionnelles et surtout votre humour, un humour suprême, assez rare dans la création. Par exemple dans Harder, Better, Faster, Stronger. Alors ma question est la suivante, il se trouve que j'adore votre musique pour le film Tron l'héritage, en particulier le morceau des Wes. Je me demandais comment s'est passé le travail avec l'orchestre dans cette musique de film, et car pour moi c'est vraiment un mystère, cet alliage entre le son Daft Punk et le son d'un orchestre symphonique. À bientôt et bravo Thomas. Thomas Bengalter, que vous évoquent ces mots de Régis Campeau? Il continue à me toucher, hein. Je suis très flatté par tous ces témoignages. Finalement, oui, mêler l'orchestre électronique, c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire, et on a réussi finalement à l'organiser, je pense, dans Tron, parce qu'on avait du temps, il y avait du montage, il y avait pas mal de montage finalement pour arriver à faire dialoguer et recaler l'orchestre et les machines. Et c'est vrai que pour Mythologie, j'ai rapidement exprimé à Angelin l'idée de et mon désir de se concentrer vraiment sur l'orchestre pour ne finalement pas déranger ou changer un équilibre pour moi qui fonctionne tel quel et qui permettrait une nouvelle forme d'expérimentation. Donc c'était une aventure intéressante. La différence même pour Tron, c'est qu'on avait un troisième élément qui était les dialogues des comédiens. Et c'était intéressant de se rendre compte fréquentiellement, Bryce parlait des fréquences très aiguës et très graves, que justement les dialogues des comédiens, ils étaient dans les médiums. Et finalement, je me suis vraiment rendu compte pendant l'écriture de Tron que c'était difficile de faire coexister des éléments électroniques médiums avec les dialogues des comédiens, et aussi que les cordes sont vraiment les textures qui fonctionnent le mieux avec les dialogues en général. Donc c'était des évidences, mais c'est aussi pour ça que dans Tron, on a cantonné un petit peu les éléments électroniques dans ces pulsations très basses finalement. Donc il y avait en gros une division comme ça du spectre fréquentiel avec les voix dans le médium, l'orchestre et les cordes un peu dans les aigus, et puis l'électronique qui était réservée aux basses.